Le dispositif de création, c'est un dispositif qui vous a permis déjà de vous rencontrer, connaître les différents projets de chacun, mais aussi vous permet de travailler en réseau et d'avoir les formations nécessaires pour devenir un chef d'entreprise. C'est vrai que vous êtes accompagné par une référente, Madame Tonkons, qui vous accompagne sur votre démarche de création d'entreprise, que ce soit sur la mise en place du projet, mais aussi la stratégie d'implantation sur le marché. Dans ce dispositif, vous avez un accompagnement au niveau de la gestion. Nous avons pu accompagner 15 jeunes qui sont venus tester leur activité et bénéficier de formation. Le dispositif d'expérimentation d'Encréation a été un appui de développement pour la couveuse Projectiva. Ce projet a permis à la couveuse de développer un certain partenariat avec les différents acteurs évoluant dans le domaine de la création d'entreprises. Donc, j'exerce le métier de conseillère à la création d'entreprise à la BJE Guadeloupe. Donc, cela fait une dizaine d'années que j'exerce ce métier. Et je pense que Donc'Création, effectivement, est une très bonne initiative pour les jeunes. Donc, j'ai eu l'occasion en fait, de participer à deux jurys Donc'Création et je me suis rendu compte que les jeunes avaient des projets très originaux, des projets qui sortent de l'ordinaire. Bonjour, je m'appelle Piqueur, Extra Service Plus. Donc ce matin, vous êtes avec moi. Je vais vous parler un petit peu de la Dame Création, dire en quoi elle m'a aidé et en même temps vous parler de mon activité. Donc ce matin, je vais faire une démarche habituelle, je vais payer la facture d'une cliente. Donc je vais vous dire tout à l'heure. Monsieur Piqueur, c'est un jeune très engagé. Il s'est positionné au niveau de Dame Création afin de tester une prestation plus ou moins innovante. Et se rassurer que cette activité lui permettra d'avoir une certaine pérennité dans le temps. Donc voilà, le travail a été fait, la démarche a été faite. Donc ce matin, je tiens au trésor public afin de pouvoir payer la facture d'une cliente. Donc mon travail, c'est de pouvoir maintenant représenter les professionnels et particuliers qui ne peuvent pas se déplacer et payer leur facture. En l'occurrence, la cliente de ce matin, pour des raisons professionnelles, ne pouvait pas se déplacer. Et moi, je l'ai représenté, j'ai payé sa facture à sa place. Donc maintenant, je vais lui remettre sa facture, disant que le travail a bien été fait. Je suis Audrey Jason, porteuse du projet Little English. J'ai 29 ans. Coucou Nicolas, on va faire de l'anglais. Little English, c'est un service itinérant d'atelier ludique d'anglais pour les enfants de 2 ans à 10 ans. Je me déplace dans les structures qui accueillent les enfants, les crèches, les garderies, les CLSH, afin de réaliser des ateliers ludiques d'anglais sur les thèmes du quotidien, par exemple les fruits, les légumes, les couleurs. Et orange. Ce dispositif m'a apporté beaucoup et puis j'ai vraiment pu réellement, dans de vraies conditions, tester mon activité, me comporter, agir, réagir comme une chef d'entreprise. Et donc j'ai été accompagnée dans toute cette démarche. Je trouve que c'est un bon dispositif pour les jeunes qui veulent se lancer, mais pas seuls, qui sont quand même craintifs du secteur économique, qui sont craintifs de ce que va donner leur activité, leur projet. Donc je trouve que sur plusieurs plans, c'est un bon dispositif. Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Alors, nous sommes une entreprise de décoration événementielle. Donc nous faisons tout ce qui est la création de supports décoratifs en papier, en polystyrène, en carton. Donc nous faisons aussi des urnes et des supports aussi en bois. Donc suite à plusieurs ateliers avec la boutique de gestion, j'ai été redirigée vers la Dome Création qui m'a permis de pouvoir tester mon entreprise, en fait, mon idée d'entreprise. C'est vrai aussi qu'on est très bien accompagné. Tout ce qui est, comment on peut dire, administratif, j'ai été restructurée, on m'a montré. J'ai appris à faire tout ce qui est devis, facture, l'approche du client, et voilà. Passer par la Dame Création, pouvoir me lancer, ça m'a permis surtout de pouvoir évaluer le terrain, voir vraiment si mon projet était fiable et si je pouvais vraiment me lancer par la suite. Donc je remercie l'équipe de la Dame Création pour le suivi, pour le soutien qu'ils m'ont apporté dans les moments difficiles, à remonter la pente, à ne pas perdre courage. Maintenant, je me sens plus apte à suivre mon petit bonhomme de chemin seul et aller de l'avant.